まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Kingdoms Fight Sei versus Ryofui. Les frérots, je dois vous faire une confidence. Cette vidéo, c'est la troisième fois que je la tourne. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Parce que mon avis change à chaque vidéo. On va me dire, attends, mais c'est quoi cette dinguerie? Et oui, les frérots, mon avis change à chaque vidéo. Vous savez, la confrontation Sei versus Ryofui, je l'ai traité en animé, en trois parties, d'accord, trois vidéos. Je l'ai traité en review, manga, ok. Et je l'ai tourné trois fois. Donc ça fait cinq fois que, officiellement, je traite cette confrontation, ce débat, vous l'appelez comme vous voulez, même si en vrai de vrai, c'est pas vraiment un débat. Pourquoi? Eh bien écoutez, en fait, Ara nous a pondu une telle masterclass d'un tel niveau, c'est tellement nuancé, c'est tellement complexe, que en vrai, il m'a fallu lire, relire et relire encore pour pouvoir avoir un avis mature, pour que mon avis soit monté à sa maturité. Et là, je pense objectivement être arrivé à une conclusion qui me satisfait. C'est une conclusion que je trouve satisfaisante par rapport à ce que je pense de Sei versus Ryofui. D'accord ? Je tiens à vous prévenir, cette vidéo sera longue. Je vais vraiment prendre mon temps pour que vous puissiez bien comprendre les méandres de mon esprit. Parce que franchement, je pense que sur certains points, je vais aller un petit peu loin avec des parallèles sur le monde moderne d'aujourd'hui, etc. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite, les frérots, à vous abonner à la chaîne et vous abonner à Fumichaud et vous abonner au Discord. C'est comme ça, c'est le trio, c'est la trinité, les frérots, si vous voulez suivre toute l'actualité fumigène. Sur le Discord, il y a une véritable vie en société, une société fumante. Sur Fumichaud, on parle évidemment de Kingdom version animée, mais aussi de d'autres animés, ok. Et pour ceux qui veulent soutenir mon travail de façon un peu plus intensive, vous avez également la zone membre qui vous donne accès aux vidéos en avant-première, mais aussi accès au salon VIP du Discord, les frérots. Encore une fois, merci à tous les membres de me soutenir, car leur soutien est vraiment précieux pour la montée en puissance de la chaîne. Je tiens à le dire de façon très claire. Yoi, sawaguna. Heisei versus Ryofui. À ce moment précis de l'histoire, Ryofui est l'antagoniste ultime dans Kingdom. Il est celui qui s'oppose factuellement à tous les niveaux à Sei. Et finalement, cette discussion va nous le prouver à 100%. Les deux personnages ont une vision qui est radicalement différente. Pourtant, ils briguent le même poste. Sauf que Sei, lui, est déjà roi. C'est plutôt Ryofui qui veut devenir roi. Mais il y a énormément de points divergents concernant Sei et Ryofui. Et finalement, cette discussion va mettre tous ces points en exergue. Déjà, il faut bien comprendre tous les éléments que Ara nous a donnés avant même que les gars ont commencé à ouvrir la bouche. On t'a donné déjà pas mal de points. À noter immédiatement le positionnement des personnages. Les deux sont face à face. C'est une position qui est importante. Il faut bien comprendre que ce soit en manga ou même dans d'autres œuvres, lorsqu'on te positionne un personnage en dessous d'un autre, il y a une forme de soumission. Lorsque Sei s'exprime, il est systématiquement en hauteur et il s'exprime envers ses sujets qui, eux, sont en bas de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il les regarde de haut. C'est un positionnement qui est stratégique. C'est pour montrer qu'il est la personne la plus haute dans la sphère, dans la hiérarchie de Kin. Et là, cette fois-ci, Ara décide de les faire parler de face à face. Pourquoi?
vous comprenez, vous êtes assez intelligent, on est sur Fumigène, que c'est pour bien évidemment nous montrer que aujourd'hui dans cette discussion, ils vont s'affronter d'égal à égal. C'est-à-dire que les deux vont nous expliquer leur gouvernance de la Chine, mais il n'y aura pas, on va dire, cette fois-ci de protocole. On ne sera pas dans « vous êtes le roi, je suis le chancelier ». Non, on va s'exprimer tous les deux de face à face. Et c'est pour ça que Sei a choisi cette position, c'est pour lui dire « cette fois-ci, on va vraiment parler d'égal à égal, je vais te regarder les yeux dans les yeux en face à face ». Et non en hauteur. Même si Sei, dans sa plaidoirie, dans tout son discours, va prendre une position de roi, bien évidemment, parce que c'est le roi, c'est comme ça. Et c'est même en cela, finalement, qu'il va un petit peu surplomber Ryo Fui. Mais Ryo Fui n'a pas perdu ce débat de cette façon-là. Du moins, je ne dis pas si Ryo Fui a perdu le débat ou pas, vous verrez ça en fin de vidéo. Mais en tout cas, tout de suite, à noter le positionnement des deux personnages. C'est très important, les frérots. Ryo Fui commence tout de suite par une déstabilisation. C'est-à-dire que sa première phrase est faite immédiatement pour tout de suite choquer Sei. Pour lui dire que je vais directement te montrer que ton objectif final, c'est n'importe quoi. C'est une stratégie qui est assez classique lors d'un débat, de déstabiliser son adversaire dès le début. Je peux même faire un parallèle avec les débats qu'on connaît, hein, les débats pour la présidence de la République, où immédiatement les deux adversaires essayent de se déstabiliser très rapidement, parce que par la déstabilisation psychologique, tu obtiendras la déstabilisation verbale. Donc Ryo Fui commence tout de suite par lui dire que il semblerait, j'ai entendu, que vous souhaitiez unifier la Chine. Mais c'est quoi cette voix de Dieu? C'est quoi ce truc complètement divin, complètement loufoque? En fait, Ryo Fui essaye de montrer immédiatement à Sei que son rêve est irréalisable et quelque chose d'impossible. Il aurait besoin même de forces divines pour pouvoir le réaliser. C'est montrer à quel point le truc est complètement impossible pour Ryo Fui. Il se moque un petit peu de lui. Et tout de suite, ce point-là déstabilise d'une certaine façon Sei, parce qu'il comprend qu'il est face à quelqu'un qui va lui démontrer par A plus B que son rêve est irréalisable. D'accord ? Mais c'est déjà un très bon point de la part de Ryo Fui de commencer le débat de cette façon-là, mais vous verrez que Sei a lui aussi de toute façon fait la même chose. C'est de la communication, hein, les frérots, ni plus ni moins. Mais avant même que Ryo Fui poursuive, Sei va à un moment donné, donc il y a les personnes qui vont rentrer hein, dans la salle, Sei Taku, etc., Rishi, etc., et Sei va dire que oui, il a souhaité que les gens soient là, afin qu'ils puissent assister, parce qu'ils auront peut-être des responsabilités demain. De cette façon-là, indirectement, il indique que Rishi sera lui pardonné. Et oui, lorsqu'on a été étonné de voir Rishi revenir, en vrai, on n'aurait pas dû être étonné. Sei avait déjà, de toute façon, indiqué que Rishi allait revenir. Ça veut dire que dans son plan, il savait déjà que Rishi aurait une importance cruciale, depuis le début. Et oui, il avait prévu de pardonner à Rishi. C'est inscrit noir sur blanc, de toute façon, dans le tome. C'est un point qui était quand même intéressant à noter. On va avoir l'explication de Ryo Fui sur, on va dire, une bonne gouvernance de la Chine. Ryo Fui, lui, indique que, selon lui, le monde est monde depuis la création du système monétaire. Par conséquent, l'argent est roi, tout simplement. L'argent dirige tout, l'argent dirige le monde, tout ce que tu veux. Mais c'est plus complexe que cela, évidemment. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas m'amuser à balayer les choses de façon assez rapide comme je le fais d'habitude. On va aller dans le détail. Déjà, Ryo Fui trouve que la guerre est stupide. La guerre est quelque chose de stupide pour lui. Pourquoi ? Parce que les hommes font la guerre pour voir qui est le plus puissant. Sauf que lui, l'élément qui définit la puissance dans ce monde, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas la force physique, c'est l'argent. C'est pour ça qu'il pense que les hommes sont stupides, du moins les hommes qui font la guerre sont pour lui stupides. Parce qu'on ne peut pas définir si tu es le plus puissant à travers une guerre, on définit ta puissance à travers ton argent, selon lui. Mais il y voit de toute façon un intérêt. Il le dit, il arrive à se faire de l'argent, du moins il voit qu'il y a de l'argent à se faire avec le commerce des armes. Même si son mentor lui dit de ne pas trop faire ça, du moins c'est pas dans leur méthode, Ryo Fui, lui, de toute façon, voit que les guerres sont des vecteurs de création monétaire, de création d'argent. C'est dit noir sur blanc, très clairement. Donc, ce point est très important, les frérots, parce que par cette phrase, il montre qu'il ne souhaite pas arrêter les guerres. Ce n'est même pas un souhait, en fait, parce que les guerres sont profitables. Elles rapportent de l'argent, même si elles sont stupides pour lui, elles sont profitables d'une certaine façon. D'accord ? C'est important à noter pour comprendre toute l'explication et tout le discours.
de Ryofui. Mais il va aller encore plus loin, car selon lui, depuis que le monde est monde, depuis la création du système monétaire, l'homme a pu se développer. Il y a eu évidemment la création des classes sociales, les pauvres, la classe moyenne, les riches, il y a eu toute une hiérarchisation de la société, toute une structure, un organigramme si vous préférez, d'accord ? Et au-dessus, vous avez les riches, et en dessous, un peu plus bas, évidemment, vous avez la classe moyenne et les pauvres. Et pour Ryofui, c'est bien, parce que l'argent a attisé la cupidité des hommes. Donc les hommes se sont enviés les uns envers les autres, ils ont voulu devenir plus riches et ils se sont, selon lui, améliorés. Par conséquent, pour lui, l'argent est une bonne chose, car elle attise la cupidité des hommes, elle attise la volonté de richesse, elle attise la volonté de devenir quelqu'un, de monter dans les classes sociales. Pour lui, toute la structure de la société a été créée sur les bases de l'argent, sur la base de l'argent. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort dans son propos, mine de rien, car effectivement, dans cette Chine actuelle, et même dans le monde moderne, plus tu es riche, plus tu es quelqu'un. Alors les bien-pensants et les philosophes te diraient que non, ça n'a rien à voir, il faut aussi voir tes valeurs humaines, etc., etc. Et moi, je vous répondrais que Ryofui se base encore une fois sur des faits. Il donne son avis, mais il se base quand même sur des éléments assez objectifs. On est obligé d'être d'accord avec lui dans le sens où tu es riche, en Chine actuellement, tu es quelqu'un. Et même dans le monde, tu es pauvre, tu es personne. Malheureusement, ce n'est pas mon avis, mais c'est ce que Ryofui prétend. Et, je suis désolé, son constat n'est pas stupide. En tout cas, du moins, on le voit, on le constate en Chine. Et c'est pour ça que le personnage de Chine est intéressant, car lui, il est parti de rien et il essaye de devenir quelqu'un. Mais pas par la richesse, par la guerre. C'est différent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, brefons, car là, je m'écarte du sujet. Lors de son flashback, d'ailleurs, Ryofui indique que lui, il cherchera à surpasser tous les marchands et il cherchera à finalement devenir quelqu'un, le plus grand de tous les marchands, de tous les businessmen. Et moi, j'extrapolerai même un peu plus cette vision de Ryofui en expliquant que est-ce que Ryofui, au final, n'avait pas fait, on va dire, un caprice du fait de devenir roi. C'est-à-dire qu'il s'était peut-être fixé un objectif, à savoir devenir roi avec son argent. Parce que si Ryofui est chancelier et il est au niveau où il est actuellement, c'est juste grâce à son argent. Donc Ryofui peut-être voulait se prouver à lui-même que si il était capable de monter sur le trône de Qin, eh bien, c'est l'argent qui l'aurait amené là. Et finalement, sa théorie, du moins son avis, aurait été très clairement juste. Parce qu'il aurait pu dire, grâce à mon argent, grâce à mes compétences de marchand, de vendeur, de commerçant, je me suis hissé sur les plus hautes sphères de cette société, à savoir devenir roi, alors que mon sang n'est pas royal. C'est Seikiyu qui le disait, ton sang n'est pas royal, tu n'es pas de sang royal, mais pourtant tu es là. Eh bien, Ryofui, lui, vient balayer toutes ces histoires de sang royal. Il te dit, mon sang n'est pas royal. Par contre, mon sang, frérot, c'est de l'or. Et oui, c'est de l'or qui coule. Et mon or va me mener jusqu'au poste de roi. Donc, je pense qu'il y a non seulement cette volonté de devenir le plus grand de tous les marchands, mais il y a aussi cette volonté de se prouver à lui-même que l'argent peut faire de lui un homme qui devient roi, peut faire de lui un roi. Il peut donc se hisser sur les plus hautes sphères de la société, selon moi. Ryofui explique qu'en 10 ans, il serait capable de faire de Qin une superpuissance économique. En fait, selon lui, Qin serait, on va dire, au centre d'un système économique extrêmement puissant et Qin deviendrait finalement une nation cruciale pour les autres, car elle serait tellement puissante qu'elle pourrait partager évidemment ses richesses, mais les autres nations seraient d'une certaine façon un peu dépendantes de l'état de Qin, parce que Qin les fournirait peut-être en or, etc., mais également peut-être en ressources, je sais pas, naturelles, matières premières, tout ce que vous voulez. Qin serait une forme de capital, si vous préférez, qui pourrait fournir les autres pays. Et là où, au final, Seitaku dira que tu parles comme dans un rêve, c'est-à-dire que lorsque Ryofui exprime son souhait, effectivement, on a cette petite lueur. Il parle effectivement comme si c'était un rêve. Mais avec ce système, tu ne fais pas disparaître la guerre. Mais il n'a jamais dit qu'il voulait faire disparaître la guerre, Ryofui. Ryofui ne cherche pas à faire disparaître les guerres. Ryofui cherche à utiliser les guerres, à la rigueur, si tu veux, les amoindrir. Ryofui compose avec les guerres. Et oui, c'est Sei qui cherche à faire disparaître les guerres. Mais vous verrez pourquoi, au final, ce petit point de désaccord, c'est ça qui a fait un petit peu défaut à Ryofui. Donc bref, il crée une super économie, les gens sont dépendants de l'état de Qin, et d'une certaine façon, bon, il amoindrit un petit peu les guerres, il ne les stoppe pas, et il peut le faire en 10 ans.
Saitaku précisera qu'il est quand même l'un des plus grands commerçants de ce monde, du moins de Chine, et que on peut quand même se dire qu'il connaît, il a une connaissance, il a une culture générale qui dépasse l'entendement. Effectivement, donc ce qu'il raconte n'est pas fou. Même s'il lui a dit « tu parles comme dans un rêve », il ne l'a pas traité de rêveur, c'est pas la même chose. Saitaku n'a pas cassé l'explication de Ryofui, car Ryofui, de toute façon, répond à tout le monde. Il répond factuellement à tout le monde, mais encore une fois, c'est ce qui va lui faire défaut. C'est un technocrate, il est très précis. Il était parti dans une posture de débatteur, il a voulu débattre avec Sei, mais Sei n'a pas débattu sur ces points-là. Mais en tout cas, Ryofui explique point par point comment, selon lui, il va gouverner la Chine. Maintenant, il ira encore plus loin, une fois qu'il a expliqué son objectif, son rêve, si vous préférez, il ira plus loin derrière en démontant encore plus celui de Sei, en expliquant que vous souhaitez unifier les pays par la force, c'est-à-dire que vous pensez qu'à la fin, il y aura 6 États qui sont vaincus et vous allez pouvoir, comme ça, recomposer, les unifier. Mais c'est pire qu'un rêve. C'est clairement quelque chose, selon lui, d'irréalisable et complètement fou, parce que tu vas faire couler le sang à un niveau stratosphérique. Limite, il attaque Sei en lui disant « Mais quelqu'un qui a un tel rêve, c'est quelqu'un qui ne mérite même pas de s'asseoir sur le trône. Vous êtes complètement fou, en fait. » Parce que vous ne vous rendez pas compte du sang qui va couler et surtout l'unification par la force. Selon lui, ce n'est pas la gouvernance d'un roi. Il le dit, un roi ne devrait pas gouverner en faisant couler le sang de ses sujets. Et oui, et de cette façon-là, même Saitaku lui donnera raison. Et c'est vrai, un roi ne gouverne pas comme ça. Maintenant, là où Sei, de toute façon, accepte de porter ce rôle de boucher, on l'a déjà vu de toute façon dans les anciens tomes, il l'a dit, même si on doit me traiter de boucher, on me traite de tout ce que tu veux, j'aurai le sang de millions de personnes sur les mains, je suis prêt à l'assumer, de toute façon. Sei était prêt, de toute façon, à l'assumer, mais au fur et à mesure, évidemment, des tomes de Kingdom, Sei va quand même des fois se confronter à la réalité de son rêve, et des fois, la réalité est très difficile, à savoir Kanki. Est-ce qu'on peut se dire que Ryofui est en avance sur son temps? Parce qu'effectivement, c'est une réflexion que j'avais eue dans mes premières reviews de cette discussion. Eh bien, non. Non, Ryofui n'est pas en avance sur son temps. Avant, j'avais avancé l'argument que Ryofui était en avance sur son temps, car d'une certaine façon, c'est comme ça que fonctionne le monde actuel, le monde moderne. Donc, on pouvait légitimement se dire qu'il était en avance. Oui, mais j'ai envie de vous dire que non, parce que la solution de Ryofui prend en compte les guerres. C'est-à-dire que l'argument qui est avancé, c'est « mais sa solution ne fonctionne pas dans une Chine en guerre ». Mais lui, il l'a démonté déjà. Reprenez encore une fois les tomes, Ryofui explique que sa solution fonctionnera parce que justement la Chine est en guerre. C'est parce que nous sommes en guerre que j'arriverai à mettre en place cette solution. C'est parce que les hommes sont stupides et se jettent à corps perdu dans la guerre que j'arriverai à mettre en place cette solution de Qin, superpuissance économique. C'est justement parce que le monde est actuellement déstabilisé qu'il va pouvoir mettre en place son idée. Donc en fait, Ryufu n'est pas réellement en avance sur son temps. Il ne l'est pas, car il prend en compte la guerre. Il ne cherche pas à l'arrêter, il la prend en compte, tout simplement, il veut l'amoindrir. Disons que si Ryofui avait avancé que sa solution stopperait les guerres, là, il se serait retrouvé en incohérence, parce qu'on aurait pu lui dire « non, tu ne les arrêteras pas comme ça », clairement. Mais il n'a jamais dit qu'il les arrêterait, il a même dit, il finit même sa plaidoirie en disant « la guerre ne s'arrêtera jamais », parce qu'il ne croit pas en la bonne nature de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Donc Ryofui n'est pas en avance sur son temps, car il prend en compte tous les éléments de son époque, de son ère. Il prend en compte le fait qu'il puisse devenir que Qin puisse devenir une superpuissance, et il peut le faire. Il prend en compte le fait que l'argent est roi actuellement. Il prend en compte tous les éléments et toutes ses connaissances qu'il a du monde actuel, de la Chine actuelle, et il en a très clairement, et il prend en compte également les guerres. Il prend tous ces éléments en compte. Donc Ryofui, je le répète, n'est pas en avance sur son temps. Il compose avec son temps. Ok, les frérots? Mais maintenant, est-ce que sa solution était viable? Évidemment, on ne peut pas réellement le savoir. Est-ce que tu peux gérer une Chine avec des guerres et avec cette notion économique? Ça, je ne le sais pas, évidemment. Mais lui, en tout cas, il assume de vouloir mettre en place un système économique en Chine avec des guerres. Il dit qu'il peut faire avec. Il dit qu'il n'arrivera pas à les arrêter, mais à mon avis, il arrivera quand même un petit peu à les amoindrir.
Donc, voilà toute la plaidoirie, on va dire, de Ryofui. Déjà, je m'arrête et je vous donne mon avis dessus. Je trouve que c'est très bon. C'est très technique d'une certaine façon, c'est très objectif, mais au moins, il avance des propos, il arrive plus ou moins à les prouver. Il attaque Sei factuellement sur les éléments qu'il trouve, on va dire, dérangeants dans son objectif. Donc, il attaque Sei sur son idéal, il attaque Sei sur son rêve d'une certaine façon, et il l'attaque de façon factuelle. Hein. Effectivement, en lui expliquant que tu ne pourras pas unifier des nations que tu auras derrière détruites par la force. Donc, Ryofui, on va dire que son discours ne comporte, selon moi, aucune erreur. C'est un technocrate, bureaucrate, qui vient de nous faire une démonstration de toutes ses connaissances intellectuelles, de toute sa culture générale et de sa vision de la Chine. Et je vais vous expliquer comment Sei, lui, va répondre. Alors, Sei commence par exactement la même technique que Ryofui. La déstabilisation psychologique. Il va déjà lui rappeler une chose, il va lui dire « t'es vraiment un bureaucrate ». Tu es devenu vraiment un gros bureaucrate, technocrate, ennuyant. Alors, il n'a pas dit ennuyant, mais on peut le sous-entendre. Tout de suite, Ryofui est choqué. C'est exactement la même technique qu'il vient d'utiliser, c'est juste qu'il est en train de se la prendre dans la figure. Pourquoi c'est, il lui dit ça? Parce qu'effectivement, Ryofui, tout ce qu'il vient de nous expliquer, il n'y a réellement rien d'impossible, en fait. T'expliques quelque chose, c'est assez factuel, on peut se dire que il aurait pu mettre en place sa solution, je ne dis pas que ça aurait fonctionné, je ne dis pas que ça aurait été meilleur que ça, etc. Mais on peut se dire que sa solution, du moins, n'est pas irréalisable, ce n'est pas un rêve, ok? On n'a pas besoin d'aller appeler les forces divines pour mettre en place la solution de Ryofui, à savoir la super gouvernance, évidemment, de Qin. Donc il lui dit, t'es un technocrate, en fait. T'es un technocrate. Parce qu'en plus d'être un technocrate, t'es un lâche. C'est ce que va lui dire Sei, d'une certaine façon. Il va lui dire, toi, en fait, tu évites le problème. Tu n'arrêtes pas les guerres. Tu l'assumes. Très bien. Là où toi, tu ne cherches pas à stopper les guerres, moi, je veux réellement les arrêter. Moi, je veux trouver des réelles solutions aux problèmes qu'on a actuellement. Toi, tu composes avec. Tu évites les problèmes, d'une certaine façon. Mais avant que Sei commence réellement à déblatérer et à nous donner tout son état d'esprit sur la nature humaine, etc., etc., on commence son discours avec, vous savez, des petites lumières, etc. Et là, c'est en lien avec ce que disait Ryofui en début, finalement. C'est-à-dire que Sei, son objectif, sa vision, son idéal repose sur quelque chose qu'on pourrait, on va dire, assimiler à de la croyance. C'est de la foi, en fait, Sei. Et oui, les frérots, Sei, c'est pas quelque chose de pragmatique. Sei ne peut pas prouver que sa solution est la bonne. Il ne peut pas, et il ne pourra pas, et il ne pourra très certainement jamais. En fait, Sei avance avec des croyances. Et c'est pour ça que lorsqu'il commence à parler, on te dit tout de suite que ça va être un discours d'idéaliste. Ça va être un discours de rêveur. Ça va être un discours totalement utopique. Il va t'expliquer son rêve, tout simplement. Il va t'expliquer sa vision. Alors, les mauvaises langues, et j'ai été mauvaise langue, pourrait dire, il ne répond pas factuellement à Ryofui. Il ne répond pas sur les points où Ryofui l'a attaqué, à savoir l'unification des États, etc. Il ne répond pas à ça au final. Parce que si je résume grossièrement ce que Sei va lui dire, c'est, il lui dit, moi je veux arrêter les guerres, j'ai connu dans ma chair les brimades, la haine du peuple de Zhao et j'ai réussi à m'en sortir. Donc les hommes aussi qu'on aura unifiés par la force réussiront aussi à s'en sortir car je crois en la lumière des hommes et les prochains hommes qui viendront et verront le jour, eux ne connaîtront pas la guerre. Voilà ce qu'il va lui répondre. Il va pas lui répondre sur tous les points. Il va même pas aller le chercher sur son système de Qin, argent, économie, tout ça. Mais non. Mais non. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un débat en fait. C'est pas vraiment un débat. Pourquoi? Parce qu'on a eu un chancelier qui discutait avec un roi. Et même si les deux étaient d'égal à égal, Sei a parlé comme un roi et Ryofui a parlé comme un chancelier. En fait, qu'est-ce qu'on demande à un roi, les frérots? Je vous pose la question. Et il m'a fallu du temps avant de pouvoir trouver une raison à Sei, parce que vous savez à quel point Sei, je le frappe tous les jours, lui. Qu'est-ce qu'on demande à un roi? Est-ce qu'on lui demande d'être pragmatique? Ou est-ce qu'on lui demande un idéal? Est-ce qu'on lui demande une vision? Qu'est-ce qu'on demande à un roi? Certains me diront, on lui demande les deux. C'est vrai, on lui demande les deux. Mais je pense qu'on lui demande surtout une vision. Le pragmatisme et le côté technique, il a des hommes pour ça. Il a des chanceliers, il a des conseillers pour ça, le roi.
Donc on va pas lui demander de connaître sur le bout des doigts toutes les lois, tous les trucs qu'il y a à Akin, les trucs techniques qu'il pourrait y avoir à Akin. Ça, Ryufui, lui, il les connaît. C'est normal, c'est son travail. Ok ? Au roi, on lui demande une direction. On lui demande une vision. On lui demande un idéal. Où est-ce que tu veux nous emmener ? Et en fait, en cela, Sei, il a été très fort. Parce qu'il a juste indiqué une chose. Moi, je veux emmener les hommes et les femmes de Chine vers une société qui ne connaît pas la guerre. Voilà mon objectif, voilà ma vision. Ryufui, lui, avait une vision. Il a une vision, lui aussi. Attention, c'est juste que lorsque tu mets les deux visions côte à côte et face à face, tu en as une qui est un petit peu plus courageuse. Parce que lui s'attaque à un véritable problème. Il arrive avec une réelle solution, sanglante, sanguinolente, violente, qui va faire couler le sang. Mais il a une réelle solution. Là où Ryufui ne cherche pas de solution. Ryufui, lui, te dit « Moi, je pars du fait que la guerre, c'est stupide, mais ça rapporte de l'argent, donc je garde les guerres, je ne les fais pas totalement disparaître, ok ? Et je compose avec, l'argent est roi, donc d'une certaine façon, je compose avec tout ça un univers qui va où les hommes et les femmes vont s'enrichir. Mais il n'a pas la certitude que la cupidité des hommes ne les mèneront pas peut-être à encore plus de guerres. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est une possibilité aussi du plan de Ryufui. C'est qu'il joue avec la cupidité des hommes, mais la cupidité des hommes n'a pas de limite. La cupidité des hommes pourrait peut-être les mener à des guerres encore plus féroces en Chine. C'est en cela que le plan de Ryufui est compliqué. Parce que lui, il veut garder les guerres. Et oui, et là où Sei, lui, veut littéralement éradiquer les guerres. C'est radicalement différent. Mais bref. Sei va lui parler de son vécu, de ce qu'il a connu dans sa chair. Et là où Ryufui, au final, a une vision, il comprend, si tu veux, à sa façon, la nature des hommes, lui, Sei, lui parle de ce qu'il a vécu dans sa chair. Il lui dit « Moi, j'ai connu les ténèbres. Et maintenant, grâce à Shika, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, si moi, j'ai réussi à le faire, les hommes pourront le faire car je crois en l'humanité. » Je crois en la lumière des hommes. Là où Ryufui, lui, croit plus en la noirceur, finalement, des hommes. Il les croit stupides. D'accord ? Et finalement, leur opposition, leur dichotomie, elle est là. Elle est dans leur croyance en la nature de l'homme, en fait. Et oui, les frérots. Sei ne répond pas à Ryufui. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas besoin, en fait. Il n'en a pas besoin. Il est un roi. À quoi cette discussion devait nous mener ? Cette discussion devait nous montrer lequel des deux était le plus apte, était le plus grand roi. Parce qu'ils avaient tous les deux une carrure de roi, on peut se le dire. Mais lequel des deux était le plus grand roi pour pouvoir gouverner Qin et plus tard peut-être la Chine ? Et effectivement, Sei gagne dans le sens où il a montré une vision qui était supérieure à celle de Ryufui. Est-ce que sa vision est la bonne ? Ça, je ne sais pas. Mais sa vision était supérieure à celle de Ryufui, était plus ambitieuse, plus courageuse, en fait. Voilà, mais attention, la vidéo n'est pas terminée. Parce qu'il y a un élément qui, selon moi, remet peut-être un peu les compteurs à zéro. Vous allez voir plus tard. Il déploie tout son rêve, d'accord ? Il explique tout son idéal, et finalement, ils vont tous être éblouis. Lorsque Ryufui parle, tout le monde l'écoutait consciencieusement. Il ne faisait rêver personne. Parce qu'encore une fois, dans ce qu'il explique, il n'y a rien d'irréalisable. Donc tu l'écoutes consciencieusement, tu te dis, d'accord, ok, tu vas faire ça, très bien. Tu peux y croire, tu peux ne pas y croire, très bien. Mais en tout cas, tu l'écoutes, c'est factuel, il t'a fait un exposé comme à l'école. Ok ? Tu es obligé de respecter cet homme, très technique, très fort. Ok. Mais lorsque Sei parle, regardez les yeux des gens, c'est différent. C'est différent, parce qu'on a l'impression qu'un homme parle de quelque chose de divin. Et le divin, c'est quelque chose dont toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours fait rêver les hommes, le divin. D'accord ? Que les hommes de foi, les hommes de religion s'expriment, on les regarde avec un œil différent que lorsque les présidents s'expriment. Vous voyez ? Lorsque le président ou un haut gradé s'exprime, tu l'écoutes, tu te dis « Ok, ce gars-là est pragmatique, il me raconte son truc, ok, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ok. » Par contre, lorsque l'homme de foi s'exprime, lui, tu l'écoutes avec un intérêt différent. Car il te raconte une histoire qui fait appel à ta foi, à ta croyance. En fait, Sein est en train d'expliquer à toutes les personnes, tous les spectateurs qui le regardaient, et nous aussi,
que, effectivement, pour le suivre, il va falloir croire en lui, en fait. Il va falloir croire en lui. Il y a une notion religieuse, une notion divine, effectivement, dans toute la plaidoirie, dans tout le discours de Sei. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous les lumières, les trucs comme ça. Parce qu'effectivement, ça fait appel à la foi, ça fait appel à la croyance. Et Sei explique donc qu'avec sa solution, à savoir l'unification de force, il fera disparaître les guerres, effectivement. Donc, Sei montre sa vision des choses. Mais là où, selon moi, et je finirai évidemment cette vidéo sur ces dernières phrases, là où, selon moi, Ryofui a quand même mis les compteurs à égalité, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais nous le savons parce qu'on est sur Fumigène. Le gros point de divergence entre les deux sont l'un dit « tu n'arriveras pas à faire disparaître les guerres » et l'autre dit « je ferai disparaître les guerres ». On est bien d'accord sur ça, les frérots. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ce point. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Est-ce que les guerres ont disparu? Non, les guerres n'ont pas disparu. Le monde a toujours son lot de guerres. Il y a même des guerres qui continuent depuis très 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 longtemps. Les guerres ont changé de forme. Maintenant, tu as des guerres, des guerres technologiques, des guerres, des attaques, des cyberattaques, on appelle ça. La guerre a changé de forme. Tu as même des guerres sur les réseaux sociaux. D'accord? La guerre n'a pas disparu. Ryofui prétend que la guerre ne disparaîtra jamais. Mais il a raison. La guerre ne disparaîtra jamais. Et oui, du moins, la guerre, pour l'instant, n'a toujours pas disparu. Alors, on va me dire, ouais, mais attends deux secondes, frérot, là, tu extrapoles. Lui, il parle de la Chine. Ok? Toi, tu nous parles du monde. Non, il parlait de la nature humaine. Il parlait de la nature humaine. Il dit très clairement que pour lui, l'homme sera toujours un être animé par soif de vengeance. Et l'homme fera toujours des guerres. Et est-ce que le monde actuel ne donne pas raison à Ryofui? Je vous pose la question. Selon moi, oui. Ryofui nous dit que les guerres ne s'arrêteront pas parce que la nature humaine les emmène toujours. Il y en a toujours un ou deux qui voudront aller faire la guerre. Les événements lui donnent raison. Peut-être qu'au plus tard, dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, les guerres auront totalement disparu. Et finalement, c'est celle qui aura raison. La nature humaine de l'homme, c'est la lumière. Et peut-être que les guerres arrêteront totalement. Et c'est évidemment tout ce que j'espère. Mais pour l'instant, force est de constater que concernant la nature humaine, Ryofui ne s'est toujours pas trompé. On ne peut pas dire que Ryofui s'est trompé sur son analyse de la nature humaine. Car ce qu'il a expliqué dans son discours, on le voit encore aujourd'hui. Les frérots. Donc, Ryofui, malheureusement, on ne peut pas lui en vouloir de penser ainsi, en tout cas. Parce que l'histoire lui donne raison. Donc, c'est pour ça que dans ce débat, scénaristiquement parlant, si on s'arrête à ces deux tomes-là, oui, Sei, effectivement, l'emporte, car il a montré qu'il avait une vision plus haute et plus grande que celle de Ryofui. Ryofui a montré sa carrure de roi, mais elle était insuffisante face à Sei. Sur ça, je suis d'accord. Mais les événements actuels, maintenant, et les événements par la suite, que ce soit dans Kingdom ou même dans la vie de tous les jours, le monde actuel, nous montre que Ryofui n'a pas fondamentalement tort sur la nature humaine de l'homme et surtout sur le fait que les guerres ne disparaîtront pas, du moins elles n'ont toujours pas disparu. Et c'est le point de divergence qu'ils ont, c'est le plus gros point. C'est tu ne feras pas disparaître les guerres, si je vais faire disparaître les guerres. Eh bien, elles sont toujours là. Désolé d'être encore une fois factuel. Par conséquent, je ne m'échappe pas. Scénaristiquement, Sei l'emporte, certes, mais historiquement parlant, on peut dire que c'est une forme d'égalité. Et oui, les frérots. En tout cas, c'est un véritable plaisir, pour ne pas dire un bonheur, de faire cette vidéo, ce Kingdom's Fight. J'ai pu enfin expliciter toute ma pensée sur ce Kingdom's Fight. Ça me fait super plaisir. Je savais que ça allait prendre 40 minutes, mais c'est normal. C'est normal, ça mérite 40 minutes, clairement et simplement. Faites-vous ça en plusieurs fois, tout simplement, les frérots. Et n'hésitez pas à me donner votre vision de Heisei versus Ryofui. N'hésitez pas à me donner votre vision sur ces deux solutions de gouvernance de la Chine.
Est-ce que selon vous, Ryofui était aussi à côté de la plaque? Il était vraiment à côté de la plaque, Ryofui? Est-ce que selon vous, Ryofui était en avance sur son temps? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'au final, non, il n'était pas en avance sur son temps car il a pris en compte tous les éléments qui étaient à sa portée? C'est juste que sa solution, elle était quand même difficilement, on va dire, viable, dans le sens où tu veux créer une société où tu conserves les guerres. C'est quand même très compliqué. Ta structure, elle est quand même très... Elle est très compliquée. Mais en tout cas, il assumait le fait de conserver les guerres. Il assumait ce point. Et selon vous, la solution de Sei, qu'en pensez-vous aussi? Est-ce que c'est un rêveur? Est-ce que vous avez foi en Sei? Est-ce que vous avez cette croyance? Que pensez-vous de son discours? Que pensez-vous aussi de la communication dont les deux ont fait preuve? Parce que là, il y avait des grosses techniques de communication, les frérots. On était dans un débat de ouf. Hein. C'est pas le débat des présidentielles, le cirque que nous on a. Non, non, c'est du haut niveau. Ara a vraiment été très très loin, hein. Franchement. Je pense même que dans l'univers manga, c'est la confrontation verbale, parce que j'aime pas trop appeler ça un débat. En vrai, ils n'ont pas vraiment débattu, si on regarde bien. Mais bref, c'est la confrontation verbale la plus puissante que je n'ai jamais vue en univers manga. Je vous jure, les frérots, j'ai cherché dans tout ce que j'ai lu. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà vu ou lu dans un manga une confrontation verbale aussi puissante. Et ne le faites pas parce que vous êtes des fans de Kingdom, vous avez lu beaucoup de mangas comme moi. Et vous savez très bien que le niveau qui a été imprimé par Ara dans cette discussion-là, là, c'est quasiment inégalé. Clairement et simplement. Allez, merci à vous d'avoir suivi ce Kingdom's Fight jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Ryofui et Sei.